On est mal et même maudit. Il faut du Harry, RS Quattro ou Ferrari. Je fais appel de phare, c'est sur la voie de gauche que je vais rester calé. Guette comme on manie, ça grille les feux rouges dans tout Paris. Je prends virage à gauche, je prends virage à droite, mais je ramène le produit, il gauche complètement. Donc dis la vérité. Mouille-toi pour le stream de Thomas pendant que lui ne se mouille jamais, vas-y. Non, c'est bon. Je fils de pute, mec. Bon, celle-là, par contre, elle est vraie. Allez, là, elle est vraie. J'étais au lycée, j'étais avec une fille, on va l'appeler, non on va pas l'appeler, on va pas l'appeler, c'est mieux. Ouais. On l'appelle Barry. Wouah, c'est que t'es vraiment pas loin en plus hein. Ok, bon Barry, peu importe. Ça tu m'étonnes, c'est que tu chopes sans Paris, bref. Bref, bah pareil, même histoire, ça tourne en rond, ça me saoulait, je voulais partir. Ça tombe la lâcheté de l'homme, la lâcheté de l'homme. Ma mère, elle m'annonce qu'on déménage à Dubaï. Hélas, ni une ni deux, qu'est-ce qu'il fait? C'est honteux. Moi, je savais que la meilleure copine de ma meuf, c'était une vraie poucave. Alors, qu'est-ce que je dis à la meilleure amie de ma meuf? Je lui dis, bon, écoute, je dois dire la vérité. D'ici les prochains mois, écoute, je vais sûrement y rester. J'ai un cancer du poumon, j'ai des métastases, c'est en train de s'aggraver. Il faut surtout pas que tu lui dises, je lui dis ça, il faut surtout pas que tu lui dises, dis-lui juste que je suis parti comme un lâche et que je la méritais pas. Et des trucs comme ça, tu vois. Et moi, je savais que c'était une pookie, tu vois. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait, elle va voir ma meuf, elle lui dit, ma meuf, elle revient, elle me parle. Elle me dit, Elias, je suis trop triste, laisse-moi te voir à l'hôpital. Je lui dis, non, je veux pas que tu me vois comme ça. C'est 100% vrai cette histoire, les mecs, c'est honteux. J'ai perdu 10 kilos, je suis tout pâle. Ça me fait mal au cœur. puis je pars à Dubaï, je donne aucune nouvelle, tu vois, je change d'entourage. Et attends, mais pendant que je parle, je me sortir de la conversation Facebook. Et 2 ans après, elle me dit, tiens, c'est bizarre, t'as enlevé ta photo de profil. C'est trop grave, pendant deux ans, la meuf elle a cru qu'il était mort. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pendant deux ans, elle a cru qu'il était mort, après elle a vu sa pépé changer. Pendant deux ans, elle pensait qu'il était mort, elle allait voir son profil tous les jours en mode putain il me manque. Et un jour elle a vu, tiens une nouvelle pépé. Tiens il a de la barbe maintenant Elias. What the fuck. Je comprends pas. Est-ce que vous vous rendez compte parce qu'il avait peur de la quitter. Et c'est quoi la suite? Bah la suite c'est que... C'est que ça hein. Après on a reparlé. Elle m'a proposé un date, mais elle a grandi entre temps. J'ai dit, c'est mort, t'es trop grande, je te capte plus. Comment ça, elle est trop grande de taille? Ouais. Non, mais Elias, c'est que, franchement, je sais pas. Mais c'est bien plus facile de dire, d'envoyer un message, de dire, écoute, toi et moi, c'est fini, plutôt que de faire tout ça, tu vois. Ça, moi, que j'arrive pas à comprendre, frère. C'est bien plus simple. Mais après, j'avais pas la maturité et le recul que j'ai maintenant. J'étais jeune, hein. Moi j'étais con. T'avais quoi, j'étais jeune. Non, t'es un lâche. C'était avant que je parte à Dubaï, donc j'étais en seconde. T'es un lâche, Elias. Sérieusement. Hein. T'es un lâche, frère. Non, on a tous fait des trucs où on était trop con. Mais en vrai, je m'attendais à pire. Hein. Gros, ça il lui a fait croire qu'elle était morte pendant 2 ans. Ouais, non, mais. Comment ça, tu t'attendais à pire? Moi, pendant 2 ans, trop... elle pensait qu'il était mort. D'accord, cher. Elle allait sortir une histoire en mode de... je lui ai menti pour la baiser et tout, et ensuite non, je suis parti. Non, mais c'est encore pire, frère. Elle était triste, elle pleurait, frère. Là, il te l'a abrégé, frère. Elle pleurait, elle lui envoyait des messages, il lui répondait pas. Elle pensait qu'il était mort. Des lettres, frère, des lettres. Elle mettait son parfum sur les lettres. Là, il te l'a raconté en mode court, cousin. Non, c'est trop grave ce qu'il a fait. À chaque fois que j'étais à Dubaï, je rentrais en France, j'ouvrais ma boîte aux lettres, il y avait une lettre dedans. T'es trop fils de pute. Non, c'est trop grave. C'est bientôt 6 mois que tu es parti. Je sais pas comment je fais pour continuer la vie. Fils de pute. Non, ça c'est terrible. Moi, je pensais s'en battre. Frère, je regrette, bien sûr, je regrette. Et dans d'autres circonstances, je l'aurais pas fait. Malheureusement, j'étais con. Et il y a un écho de bâtard, c'est qui? Ouais. Je sais pas, c'est qui l'écho de bâtard? Ah, c'est Michou, je pense. Je l'entends plus. Faut que je me connecte là. Putain, mais il a le pyrite de sommeil, fils de pute. Tu crées le truc vu que tu sais le faire, toi, Nathias ou pas? Non, je sais pas faire, hein. Ok, c'est bon, je l'ai installé. 30 secondes, Thomas. Je suis en train de jouer là.
nom de votre monde. JLBot. Je mets JLBot, hein. Ah oui. Les amis peuvent rejoindre la partie. Ok. Jobless Bot. Est-ce que je mets le TK? Je mets le TK ou pas? Non, ça sert à rien. Bah, mets-le, mais. Ouais, je le mets, ça va être plus drôle. Bah oui, on va se TK. Est-ce que. Mais le mot de passe, ça sert à rien vu qu'il y a que mes amis qui peuvent rejoindre. Ouais. Ok. Oh, merde, j'ai montré mon mot de passe Twitter sur Raft. Oh mon dieu. Non, tu mens. J'ai marqué mon mot de passe, mais c'était pas marqué. C'était pas caché. T'as mis quoi? Attends, change de scène, je vais mettre le mot de passe. J'ai mon mot de passe de Twitch. Merde. Ok, c'est bon. Oh, tu peux choisir j'ai ton nombre de. J'ai pas changé de scène! Oh mon dieu! Thomas, tu peux choisir ton nombre de Hertz? Mon nombre de Hertz? Il t'a attaqué? Bah oui, il m'a. Mec, on arrive sur une île là. Ça DL moi. On peut se garer sur l'île ou pas? Je sais pas, mais on a pas de. Non, viens, on se pose là-bas, on ferme les matériaux, on ferme le roquet, il vient pas jusqu'à ici, non? Ah, mais il y a une. Non, mais où est-il? Mais attends, mais le courant! Mais attends, il attaque le radeau! Mais Nick, t'es mort! Attaque! Attaque-le, frère! Attaque-le! Je sais pas, moi! Moi, j'ai sur l'île, hein! Moi, j'ai sur l'île! Allez, salut! On a. Attends, mais what the f. Mais frère, c'est quoi ce forceur, le requin, là? Si on perd sur l'île, on perd la partie, les mecs, ou pas? Non! J'aime pas l'ambiance. Voilà, j'aime pas les jeux comme ça. La vie de ma mère. C'est trop. Ça vous fait pas trop peur ça? Il faut qu'on reconstruise un radeau, je crois, non? 19, ça va, 21 ans. Non. Ok, mais parce que moi je suis habitué aux meufs de mon lycée de quand j'étais en terminale. Le mot de passe, c'est Wolfwesh. Allez, je suis un bonhomme. Je vais. Attends, Thomas, t'as limite, Thomas? Non, je rigole. Attends, j'ai perdu le radeau, venez vite. J'arrive. Il est derrière moi. Là, il va. Faut vraiment pas perdre le radeau, hein. J'ai mal aux pieds, ok. J'ai perdu mon grappin, les mecs. Pourquoi j'ai perdu mon grappin? Avec CTRL W tu peux le frapper normalement. Pourquoi j'ai perdu mon radin? Ton radin? Mon grappin. j'ai jeté mon grappin, je vais devoir aller dans l'eau pour chercher des items. Restart. Attends, pousse, je refais une dernière fois. Attendez. Ah, c'est bon. Ça fait. C'est long à charger ou y'a que moi? Non, c'est un peu long. J'ai le bout. Ok, je mets juste wesh cette fois. Pas dommage. Bah vas-y, j'y vais à pied. Ah mais comme ça, attends, t'as vraiment pas peur toi? Il arrive le requin! Aïe! Vas-y, venez on joue RP. Oh, y'a un avion. Non, c'est l'avion. Ah, regarde, regarde, reste comme ça Elias. Regarde Thomas, vas-y, regarde l'avion. Mais regarde l'avion Elias. Comment tu fais pour couvrir comme ça? Comment tu fais? Ah le requin! Comment t'as fait pour couvrir comme ça la Théos? Bon bah je sais pas. Oh y'a une île. Par contre je sais pas comment on lance. Ramasse-toi. Non. C'est quoi ma putain de touche? Ok, ramasse tout. Ah c'est eux. Ouais, faut que tu mettes en clavier anglais je crois. Ah bah je suis mort. Vraiment? Non. T'es mort. Non je vous vois. Bah reviens hein. J'arrive. Il est où le requin? Oh mon dieu, il y a le requin à ma gauche. Il y a le requin. Occupez le requin. Le brain? Ouais, brain, il est le brain. Bah alors, requin, bah alors, allez viens. Ah. Oh, il charge. Il s'en bat les couilles. Le brain le plus. Je strafe. Okay. Il trush. Ok, c'est bon. Il manque. Non, j'ai trop de trucs. Faut pas que je meurs, s'il te plaît. Yes. Viens là, ok. Je suis en vie. C'est bon. Mets toi dans l'inventaire. Maintenant, faut faire des planches. Dans l'inventaire. Oh, je peux être franc avec vous. Quoi? Je comprends rien au jeu. Depuis tout à l'heure, vraiment, tu comprends rien là? Là, voilà rien. je suis là, je fais rien, frère. Mais gros, attends, mais tu sais vraiment rien faire. Rien, gros. Attends, mais t'as vu, frère? Oh, ça fait une heure, on y joue là. Attends, tu sais pas faire une canne à pêche? Voilà rien. Rien. Rien genre rien.
J'ai rien craft depuis le début. J'ai rien... Ah si, j'ai craft un truc. J'ai fait des cordes avec des feuilles. Attends, c'est pour ça tout à l'heure quand j'ai demandé un crochet, il me disait mais il y a c'est trop fun. Et nous on croit pas trop à la chicha sous ballon. Tu te parles, t'as les mythos. Tu racontes que des pires.